Ça fait du bien de se retrouver un peu seul. Il manque un truc, j'ai pas toutes les pièces du puzzle. Est-ce que je suis devenu un gars bizarre? Je connais la réponse, mais j'appuie pas sur le buzzer. Putain, ça caille sa mère. Ça fait du bien de se retrouver un peu seul. Il manque un truc, j'ai pas toutes les pièces du buzzer. Est-ce que je suis devenu un gars bizarre? Je connais la réponse, mais j'appuie pas sur le buzzer. J'ai trouvé cette boucle de piano sur le net. On dit que je suis un exemple, je refuse de l'être. Les politiques veulent nous récupérer leur pute de merde. Les gens sont à cran, faudrait qu'ils fument de l'air. Ça va ou quoi, beau gosse? Je viens d'arriver à mon hôtel, je suis mort, je pense pas que je vais rebouger. Donc on se voit demain matin. Akash a l'air totalement prêt pour demain. Donc a priori, tout va glisser. J'ai pas choisi d'être un ambassadeur du cannabis. Toujours lunettes de soleil comme si j'étais carapuce. Je suis plutôt méfiant, je ne me confie qu'à la bille. J'espère qu'on ne sera jamais brouillé comme Canal Plus. La famille c'est le plus important comme dirait l'autre. Avec le reste du monde, j'ai pas toujours été réglo. Comme cette fille, j'ai eu peur quand elle m'a dit je t'aime. Je suis parti sans jamais répondre, ouais j'ai disjoncté. J'étais pas amoureux, j'aurais juste dû lui dire pour qu'elle passe à autre chose. Je suis un rabat-joie qui déteste les romans à l'eau de rose. En gros, je suis un connard. Et moi j'ai main qui prie. Oui mais à la base je voulais blesser personne. J'ai rendu service à des gens, j'y ai laissé des sommes. Sa bonté ça paye pas, sinon ça saurait. Mais le son plus fort, le silence me casse les oreilles. Je fais semblant tous les jours d'être un gars solide. H24 sous gasoline, hein. Ma haine ne demande qu'à sortir. Je me fais des films comme Kassovitz. J'préfère les casseurs dédicaces aux flics. En ce moment j'ai pas d'actu, je publie R. Et puis comme si j'étais le centre de l'univers. Y'a plus d'étoiles dans le ciel. Y'a plus rien qui brille. Et moi j'ai main qui prie. C'est quoi l'anecdote la plus dingue qui me lie à Cash? C'est que en fait j'ai rencontré ma meuf un 17 septembre devant un concert d'IAM. Y a plus de 10 ans. Et en fait le 17 septembre c'est aussi son anniversaire, hein, ce bon vieux Akash. Donc tu vois le 17 septembre maintenant je fête l'anniversaire d'Akash. Parce que c'est bien, c'est mon pote maintenant, j'ai fait un morceau avec lui, j'ai fait un clip avec lui, tu vois ce que je veux dire. Et c'est aussi mon anniversaire de mariage avec ma femme. On n'est pas mariés mais... Enfin bref, je vais pas raconter ma vie. Je me fous de savoir combien de tours de Merci piste beaucoup. Là-haut les girouettes tournent vite, ouais. Le quartier pense comme la tour de Pise. Le tour de force ici coûte deux coups de tournevis. Ces rues sombres ont accouché de 1000 tabacs, 10 Mac, 200 baraques à sandwich et quelques groupes de rap. Le succès a fait qu'on les place sur la carte, comme ces jours d'été où nos semelles laissent leur marque sur l'asphalte. La foi qu'on porte en nous est sélective, car on côtoie dans le secteur les voyous, les détectives. 5 du mat dans les geôles, père à Sivas qui rit. Coup de fil à mes parents, oh, main qui prie. J'ai passe monument sur le corner en duel chaque jour avec mon orgueil. Si je dois prendre une pause avec ce monde, je le ferai. Faut pas se leurrer, je vais pas laisser ce cirque m'écœurer. Ça va, ça se passe bien? Comment tu vas? Déterminé, ça y est? Sérieux, trop d'années sous anesthésie. À chercher le roro dans la boue comme au Brésil. Les emmerdes et les gunshots, ça a l'air de la peur aux tripes. Ça s'endort sur majeur index, mégotrip. Je pense que tu trouves encore, il y a les bandes de chiens errants. J'étais avec Soprano. Et Alonso, ça avait les psychiatres, en courant dans les rues de Palerme avec 30 chiens qui nous couraient derrière. Je me courbe pas en attendant que ces consonnes, main qui prie. Je n'invente pas la vie au gré de mes raps. Ce sont mes raps qui sont les miroirs de ma vie. Dans ces rues, j'ai croisé des princesses, des poufniaises. Quand j'y traînais jusqu'à l'aube, les vieux mables, les chkouniettes. Par habitude, on y tenait nos colloques. Ça parlait italien, des Z marocains, comorien ou wolof. Je ramène la bouffe à la, fais péter le tuyof. Gambetta, pleine nuit, on est. C'était toute une armée sous le kiosque. Une fois c'était le calme, une fois le chaos. Les ganaches des fachos, prenez pour un soir la place des paos. Charge des valkyries, tous les chiens qui crient. L'avenir vacille dans ma tête, main qui prie. Chkouniette, c'est un gamin qui traîne dans les rues. À Naples, il y avait beaucoup d'orphelins. Et à la fois qui bricole, tu vois, qui a la débrouille. Qui est pas nécessairement voleur, mais il a la débrouille. Encore à l'époque où j'étais gamin, il y avait encore les touristes américains qui étaient là. J'étais des pièces dans le port de Pozzoli et les gamins plongeaient pour les ramasser. Dans le titre, j'en parle parce que quand on traînait dehors, quand on traînait à l'extérieur, les anciens disaient « Chkouniette », ils disaient « Genre, gamin des rues, rentre chez toi, qu'est-ce que tu fous dehors à 4h du matin ?»